rougeurs, peau qui pèle, démangeaisons intenses. Aujourd'hui, dans Allo Docteur, on parle d'eczéma, une des maladies dermatologiques les plus fréquentes. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Pascal Matelier-Fusat, qui est dermatologue, allergologue à l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nous serons également en duplex avec Mélanie Nicolas pour témoigner de son eczéma. Bonjour Mélanie. Vous m'entendez ? Bonjour. Ah voilà, très bien. Bonjour, on va vous rejoindre dans quelques instants. On va d'abord préciser que c'est une maladie non contagieuse qui correspond à une inflammation chronique de la peau et qu'il en existe plusieurs types. Et oui, on sait que d'abord l'eczéma de contact, qui concerne le plus souvent les adultes, c'est en fait une allergie, par exemple, à un métal, le nickel. Le contact finit par déclencher une réaction excessive et inadaptée du système immunitaire. Résultat, comme on le voit sur cette photo, la peau devient rouge et granuleuse. Des petites bulles se forment, elles peuvent suinter si on les gratte. Elles finissent par sécher et donner des croûtes. Alors quand l'eczéma devient chronique, la peau va s'épaissir, elle peut devenir un petit peu brune. Vous voyez ce que vous voyez ici, cet aspect effectivement un peu sec. Et puis chez les enfants, on voit souvent se développer un autre type d'eczéma qu'on appelle l'eczéma atopique, qui touche d'abord le visage, puis les pliures, les genoux, comme ici, ou bien les coudes, je crois que c'est des genoux, oui, c'est des coudes, oui, c'est la partie arrière, c'est des genoux, ouais. Ou bien les coudes. Chez ces enfants, la structure de la peau en fait est anormale, elle va devenir hyper réactive à l'environnement. Et on voit justement, là on va voir un schéma de la peau, on voit que normalement la peau empêche justement l'évaporation de l'eau, ce qui permet de rester hydratée et empêche l'avenue d'allergènes. Lorsque la peau est atopique, l'eau s'évapore, donc se déshydrate, les allergènes peuvent passer, résultat ça développe les réactions d'eczéma. Alors, Mélanie, chez vous, ça a commencé, vous étiez enfant, vous aviez 5 ans, c'est ça ? Oui, à peu près, 5-6 ans. Oui, ça a commencé à quel niveau ? C'était au niveau des oreilles. Et puis, petit à petit, ça s'est développé dans les plis des membres. Et ça démangeait ? Oui, énormément. D'ailleurs, j'étais souvent avec la peau, les plaques à vif, parce que je passais mon temps à me gratter. D'accord. Et donc, il y avait, à cette époque-là, il y avait des cures thermales et puis les crèmes, c'est ça ? C'est oui. Ça qu'on vous proposait ? C'est ça. C'est ça. Donc, les cures thermales à la Roche-Posay, tous les ans, pendant une bonne dizaine d'années. Oui. Et les crèmes, un peu toutes les crèmes, entre les crèmes à la cortisone, des crèmes hydratantes, voilà. D'accord. Et alors, Mélanie, les choses se sont dégradées au moment de votre grossesse, c'est ça ? Ça a empiré, c'est ça ? Après la naissance de mon deuxième enfant, ouais. La fatigue, d'accord. Plus les, on va dire un peu les angoisses liées aux enfants, les choses comme ça, les inquiétudes ont fait que... mon eczéma a commencé à se développer sur l'ensemble du corps. Alors justement, si on parle d'inquiétude, la première question de Serge, pourquoi le stress favorise-t-il les poussées d'eczéma ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Hein. Je pense qu'on dit que la peau, c'est le miroir de l'âme. Je crois qu'il n'y a pas que l'eczéma qui est aggravé par les épisodes de fatigue comme madame ou les épisodes de stress. Hein. Je pense qu'on peut citer en parallèle les boutons de fièvre, le psoriasis. Alors l'exactitude, on n'a jamais prouvé pourquoi ça fonctionnait et pourquoi le stress pouvait aggraver, mais c'est un fait. Alors, actualité, Julietta nous demande si le masque chirurgical peut provoquer ou pas de l'eczéma localisé sous l'œil. Alors, je pense que oui, parce que j'ai des patients qui déclarent tout à fait ça, et je pense que c'est tout simplement le flux d'air qui passe, parce qu'on serre bien au niveau de l'arête nasale le masque, et en fait, il y a des petites fuites sous le masque, juste sous les paupières, et ce petit flux d'air est probablement responsable de l'irritation et des plaques d'eczéma chez des patients qui ont de l'eczéma de base. Paola nous dit, est-ce que le sucre peut aggraver un eczéma ? A priori, non. Non. L'alimentation, joue pas. L'alimentation, non, je ne pense pas. Alors, il y aura toujours, notamment chez les grands eczémas, ce que j'appelle des grands eczémas, ce sont des patients qu'on a sur 80% du corps. Je pense qu'ils racontent qu'il y a des aliments qui peuvent les aggraver. Oui, on parle de chocolat, par mais exemple. Mais là, le sucre, oui, parce non. Que on a entendu parler des crustacés, par exemple, du lait de vache, etc. Le chocolat encore. Mais oui, oui. Oui, parce qu'en plus, si vous voulez, il y a beaucoup d'eczémas qui sont liés à l'atopie et qui sont liés donc au rhume des foins, à l'asthme. Mais là-dedans, il y a les allergies alimentaires. Donc il y a souvent peut-être une petite confusion entre tous les symptômes. D'accord.
On nous demande quels sont les allergènes les plus connus pour déclencher l'eczéma. On a parlé des boutons là, de jean, en fait, souvent le nickel ou les boucles d'oreilles. Alors là, on parle d'eczéma de contact, hein, oui. qui ne sont pas du tout les eczémas atopiques. Donc le nickel, ça c'est le numéro un, les bijoux fantaisie, la boucle du ceinturon. Et là, il ne faut pas oublier les parfums. Les parfums, et on est entouré de parfums, que ce soit dans les produits de nettoyage, les crèmes. Et c'est pour ça que, notamment pour les peaux atopiques, les dermatologues conseillent toujours des topiques sans parfum. Il y a les vernis à ongles, par exemple. Alors, les vernis à ongles. Des produits qui donnent des eczémas. Oui, alors. Il faut notamment sous les yeux. Sous les yeux, mais c'est vrai que, par contre, en eczéma de contact, pour devenir allergique, il faut des contacts répétés et prolongés. Et toutes les femmes qui sont devenues allergiques au vernis à ongles, c'était des femmes qui en mettaient régulièrement depuis des années, au niveau des mains, bien évidemment. On nous demande aussi, les dermocorticoïdes peuvent-ils aggraver l'eczéma ou être responsables de la chronicité, de sa chronicité? Ah là là, oui, et d'où la corticophobie. Alors, les dermocorticoïdes, c'est les crèmes à base de corticoïdes. Les parents en ont très peur. Ils ont très peur parce que, en fait, ça remonte à des décennies auparavant où les seuls traitements qu'on avait pour l'eczéma, alors c'était les corticoïdes par voie orale. Et on ne savait peut-être pas trop bien les utiliser. Et puis après, sont venus les corticoïdes par voie locale. Là aussi, on a trouvé ça formidable. On en a appliqué, réappliqué. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des effets indésirables. Maintenant, ces effets indésirables, on les connaît. S'il y a trop d'utilisation, on est d'accord. Mais l'utilisation qu'un dermatologue va préconiser actuellement, il n'y a pas de risque. Les corticoïdes par voie orale, on sait qu'il ne faut pas trop les donner dans l'eczéma. Exactement, exactement. Ils sont vraiment à proscrire dans l'eczéma atopique. J'allais relancer Mélanie, justement. Mélanie, dans votre traitement, est-ce que vous avez eu des corticoïdes oraux? Oui. Une époque, j'avais un médecin traitant qui me prescrivait régulièrement des corticoïdes oraux pour calmer mes crises d'eczéma. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une fausse bonne idée, puisque effectivement, sur le coup, ça calmait, mais l'eczéma revenait plus fort juste après l'arrêt du traitement. Oui, en fait, vous aviez des corticoïdes oraux, des crèmes à la cortisone, enfin, vous aviez tout un panel. On a fini par vous hospitaliser en 2018 pour essayer de résoudre tout ça. Oui, en fait, on m'a expliqué que j'étais devenue cortico-dépendante puisque je faisais une mauvaise utilisation des corticoïdes. Je ne les arrêtais pas progressivement, c'était toujours d'un coup. Donc, en fait, on m'a appris à réutiliser ces crèmes et à bien arrêter de manière progressive pour éviter justement les rechutes très rapide. Et on vous a proposé aussi un nouveau traitement. Vous avez changé, vous avez évolué dans le traitement. Oui, j'ai évolué parce que depuis 2018, donc lors de ma première hospitalisation, on a tenté justement de réutiliser correctement les crèmes corticoïdes, les crèmes hydratantes. Ça n'a pas été suffisant et petit à petit est venue l'utilisation d'un nouveau traitement qui n'est pas très vieux, d'après ce que un dermatologue m'a expliqué. Les UV. Qui a de bons résultats. Voilà, traitement immunosuppresseur, donc on a débuté en août dernier et là ça va mieux, franchement. Oui, là c'est une. Je revis depuis que je prends le traitement. Il y a toujours des petites crises, mais dans l'ensemble, ça n'a rien à voir. Quoi. J'ai la peau toujours sèche, mais je n'ai plus les plaques que je pouvais avoir avant, que je n'arrivais pas à faire disparaître. C'est les traitements de dernière intention, ça? Alors oui, ça c'est l'évolution progressive, hein, quand on voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'il y a une altération très importante de la qualité de vie et qu'il y a une partie très importante du corps qui est atteinte. Et là maintenant, alors c'est vrai qu'il y a vraiment des nouvelles molécules qui sont en train d'arriver. On avait les émollients, les dermocorticoïdes, puis après on avait des immunosuppresseurs, on avait le méthotrexate, la cyclosporine, et puis maintenant il y a une nouvelle génération, ce qu'on appelle les biothérapies, qui sont des anticorps monoclonaux et dirigés contre des récepteurs d'interleukine qui provoquent l'inflammation de la peau et donc l'eczéma. C'est des traitements à vie ?
Alors, non, on ne va pas forcément dire que ce sont des traitements à vie, puisque la dermatite atopique, elle va évoluer sur son propre compte, et on sait qu'au fil des années, cette dermatite atopique va probablement s'atténuer. Mais au moins, pour faire sortir la tête de l'eau, de ces patients qui sont vraiment en souffrance, ce sont des très bons médicaments. Traitement d'attaque. Alors, on nous demande aussi, les antihistaminiques oraux ont-ils un intérêt en prévention des poussées d'eczéma ? Alors, pas du tout. Les antihistaminiques... C'est ce qu'on vous donnait, par exemple, pour le rhume des foins. Parce que c'est la physiopathologie qui correspond parfaitement, comme pour l'urticaire, d'ailleurs, ce sont les antihistaminiques. Alors, on peut donner des antihistaminiques, notamment chez des atopiques, parce qu'en même temps, ils ont le nez qui coule, les yeux qui piquent. Concernant l'eczéma pur, non. Par contre, il y a certains antihistaminiques qui font dormir. Et à partir du moment où ils font dormir, on va jouer sur l'effet secondaire en disant, s'ils dorment un peu la nuit, ils se gratteront moins, et donc ça ira mieux. Quelle huile utiliser pour un eczéma suintant à l'oreille ? De l'huile pour un eczéma suintant. Je ne pense pas déjà au départ qu'il faille utiliser de l'huile. Il faut déjà utiliser un dermocorticoïde, alors cette fois-ci en lotion. Liquide, parce que mettre de la crème dans l'oreille, ça peut macérer finalement, c'est des fois une fausse bonne idée. Et puis après, peut-être de l'huile, mais une fois que ça sera passé, la crise sera passée. Quelle crème utiliser pour soulager l'eczéma atopique d'un bébé ? Eczéma particulier Eh bien, c'est le même traitement qu'un adulte, exactement. Ouais. On va d'abord mettre de la crème hydratante, ce qu'a fait madame depuis sûrement toute petite. Mm-hmm. Et en fait, quand on voit le mécanisme que vous avez montré sur l'écran, c'est tout simplement parce que le mur de la peau est devenue poreuse. Ouais. Et en fait, on met un enduit sur ce mur poreux. Mm-hmm. Donc c'est essentiel. Et puis après, si malgré ça, il y a des poussées, on va utiliser les dermocorticoïdes. À partir de quel âge on peut ? Tout bébé. Oui. Mélanie, est-ce que ça a joué sur votre féminité depuis toutes ces années, cet eczéma ? Est-ce que vous êtes un peu plus cachée, vous avez fait plus attention ? Oui, parce que franchement, quand on a de l'eczéma sur le visage, sur le décolleté, sur les jambes, ça donne pas envie. On n'a pas envie de se montrer, on a peur du regard des autres, de mon propre regard. Je n'aimais pas me regarder, donc je ne voulais pas infliger ça non plus aux autres. Et puis, on ne doute pas, souvent, on regarde bizarrement quand on vous voit avec des plaques d'eczéma partout. Et puis, vous dites que c'est une maladie qui coûte cher parce que toutes les crèmes hydratantes, les produits d'hygiène, ce n'est pas pris en charge. C'est ça, c'est un vrai budget. Quand on en a sur le corps tout entier et que vous passez un flacon à 25€ toutes les semaines ou toutes les deux semaines, au bout d'un moment, ça commence à coûter cher. Donc, quand il y a des personnes, qui n'ont pas beaucoup de moyens, je me dis comment font-elles pour se soigner, quoi. Et justement, il y a une question intéressante là, d'un téléspectateur. Comment bien choisir sa crème hydratante pour prévenir l'eczéma ? Et justement, est-ce que c'est les crèmes les plus chères qui... Non, pas forcément. Moi, je dis toujours, la meilleure des crèmes, c'est celle qu'on se met. Parce que déjà, il faut déjà mettre de la crème. Et c'est vrai que les patients, alors on va dire, je ne suis pas sexiste, mais surtout masculin, ne sont pas forcément à même, ils ne mettent pas facilement des crèmes. Et donc, on va plutôt avoir un compromis avec eux, où sont les zones qui grattent le plus. Et à ce moment-là, on leur dit, vous n'en mettez que là. Mais déjà, mettre une crème. Alors, moi, je dis toujours, il y a collection printemps-été et automne-hiver. Bon. Donc, l'automne-hiver, c'est souvent plus rude pour la peau. Donc, à partir de fin octobre, on va plutôt choisir des crèmes ou des baumes qui sont encore plus hydratants. Et puis, à partir du printemps, là, on va peut-être alléger parce que mettre un baume en plein été, c'est quand même très lourd et ça risque même finalement d'être à contre-emploi. Plutôt utiliser des laits. Donc, mais vraiment, la meilleure des crèmes, si quelqu'un trouve une crème qui leur parvient, même si on ne la connaît pas forcément, nous, dermatologues, on va préférer et on va s'assurer qu'elle soit sans parfum. Et qu'il la mette tous les jours. Et qu'il va mettre tous les jours parce qu'il l'aime bien. Annie demande comment on peut différencier un eczéma d'un psoriasis. Alors là, c'est complètement différent. Alors, le psoriasis, faudrait peut-être... je pense que l'image, c'est beaucoup plus squameux. Donc, c'est des plaques qui sont sur fond rouge, beaucoup plus blanches, et puis excessivement bien limitées. Et vous avez vu sur les photos que vous avez montrées, c'est un peu émietté en bord. Le psoriasis est franchement limité. Et puis, il y a des zones bastions, les coudes, les genoux, alors que vous avez vu que sur les images, c'est plutôt l'inverse, les petits plis.
Voilà. Natacha nous demande, le sperme aurait certaines vertus calmantes contre les poussées aiguës d'eczéma. J'avais pas. Est-ce vérifié? Ça, c'est une nouvelle. J'ai jamais vu ça en cours. Hein. Mais enfin, vous allez nous. Vous avez droit à une question de joker. Écoutez, ça mérite d'être essayé. Hein. Je ne sais pas. On va finir avec cette question, peut-être pour répondre de Anne. Est-ce qu'on peut se faire tatouer si on a de l'eczéma? Oui, vous pouvez vous faire tatouer. Ça, il n'y a pas de souci. Pas de risque. Non. C'est pour vous les questions sexo. Hein. Voilà, Michel, à 59 ans, j'ai des plaques d'eczéma géantes. Oh là là, j'ai peur de la suite de la question. Sur le ventre, après l'orgasme, qui régresse en 2 jours, à quoi cela est-il dû? En même temps, vous avez 10 secondes pour répondre. Donc. Moi, je pense que c'est l'effort physique. L'effort physique donne chaud et la chaleur va donner envie de gratter. Ça vous arrange, voilà. 10 secondes. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Merci, Mélanie, d'avoir témoigné. Bon courage, surtout pour la suite.